Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Je pense ici qu'il y a un conflit. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, que l'on cache à l'autre. On ne veut pas se chicaner. Donc, d'après moi, pour éviter un conflit, une personne pourrait avoir ses petits secrets. Avec la carte de la nuit à l'envers, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a peur des conflits, qui ne veut pas se chicaner et qui, pour éviter le conflit, pourrait mentir. Bon, ça me fait cet effet-là. Continuons. Il y a quelqu'un, d'après moi, ici, avec le ciseau et le serpent, il y a quelqu'un qui va fermer sa porte. Ça semble être une mère. Une mère, je pense qu'une mère va fermer sa porte à une personne qui manque d'authenticité. Et il y a l'autre personne qui a honte, qui regrette. On dirait que je rencontre une personne qui ne peut pas se libérer. Continuons, explorons. La mère. Ok, allons-y. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se libérer, qui a peur. Une personne ici qui est repliée sur elle-même. Ici, j'ai l'impression qu'on va couper. On va mettre un terme au jeu du serpent, aux ruses du serpent. Une personne va fermer la porte à cette personne qui veut quoi, là? On dirait ici qu'on ment ou on joue à la cachette, là. Je ne sais pas à quoi on joue, mais pour éviter les conflits, là, je pense que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de détours, qui pourrait manipuler, jouer de ruse. C'est vraiment quelqu'un qui a peur que ça éclate. Pour éviter le conflit. Oui, une personne a trouvé des méthodes, des stratégies. Bon, continuons. Travail dans l'ombre. Attendez, on dirait ici. La fin d'un travail. On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui s'amusent au même jeu. Donc, il y a une personne qui va dire là, c'est assez. J'ai vraiment l'impression de ressentir une mère qui a atteint une limite. Je vais demander une carte sur la mère. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une mère qui va se libérer. Donnez-moi une minute. Allons-y. Allons visiter la mer. Espoir. On garde espoir. On reprend espoir. On espère quoi? Se libérer. On pourrait me présenter une mère qui espère se libérer. Une mère qui garde espoir. Croit en quoi? Une mère qui a la foi, qui espère quoi? La tranquillité, la paix. Si je regarde l'oiseau en plein vol, le calme, elle espère quoi? Être en paix, être au calme. Elle espère la paix. Je ressens l'amour en regardant cette carte. L'amour, la bienveillance, elle nourrit, elle prend soin. Bon, allons-y. Continuons. Pour ce qui est de... Ici, je vois très bien là, qu'on ne veut pas se chicaner. On dirait que ce serait facile de tomber dans toutes formes d'argumentation, mais... Il y a quelqu'un dans cette guidance qui ne veut pas et qui cache son petit jeu.
C'est quelqu'un ici là qui a peur des conflits et qui ment pour éviter de se chicaner. Allons-y avec une carte qui crée l'illusion. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne rusée. Je vous le dis là, ça achève cette histoire là. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme au jeu du serpent. Ça achève. On en a assez, là. Bon, attirant, attirant. Attirant de quoi? Attirant. On est attiré par quoi? Je vais demander une autre carte ici. On dirait que c'est quelqu'un qui... Qui est attiré par quoi? J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a son petit jeu. Un jeu caché, qui cache son jeu. C'est peut-être une personne attirante aussi. C'est la fin. Le cercueil. C'est terminé. Change de jeu. C'est fini. Bon, donc là, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à quoi? C'est la fin de l'illusion. On va sortir d'un mensonge. C'est fini, là. On va se libérer. On va se libérer de... d'une personne qui ment, qui cache la vérité, qui joue à un petit jeu. Une personne rusée qui te raconte des histoires, qui te fait rêver, qui te maintient dans l'espoir. Il y a une mère ici qui garde espoir, qui reste accrochée au jeu d'une personne rusée, qui la maintient dans l'espoir. Bien là, ça va s'arrêter avec le cercueil. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme au jeu du serpent. Donc, il y a quelqu'un ici qui te garde, qui te maintient dans le rêve, dans l'espoir. Mais là, on nous parle d'illusion, de mensonge, de ruse. Bon, coupez là, avec le serpent. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Là, on dirait qu'on a de moins en moins de patience. En tout cas, c'est ce que je ressens, là, de l'impatience. Il y a quelqu'un qui va fermer la porte à une personne rusée. Merveilleux. Et on a tout de suite la carte du pardon. Donc, le pardon nous parle de quoi? Pardon. Le pardon inspire quoi? La réconciliation, la paix. On veut s'excuser, se faire pardonner. On se sent coupable. Il y a quelqu'un ici, là, une personne ici qui est repliée sur elle-même, qui a tendance à s'isoler, qui a peur, qui avait peut-être peur d'être rejetée, abandonnée, peur d'être seule. C'est une personne qui probablement s'abandonne, se rejette. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'est pas en paix, qui est tourmenté, qui ne se sent pas libre. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Il y a quelqu'un là qui a fermé la porte à une personne qui a joué de ruse, qui a fermé ou qui est en train de fermer une porte. En ce qui concerne le temps, là, c'est intemporel, guidance intemporelle. Donc, merveilleux, pardon, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se libère, qui ferme une porte à un passé, qui ferme une porte à une personne manipulatrice, rusée, qui lui a raconté toutes sortes d'histoires. Et c'est merveilleux parce qu'enfin, on va avoir la paix. Il y a une mère, d'après moi, là, qui va se libérer, qui va mettre fin à une forme d'emprise. Il y a une personne qui la maintenait dans l'illusion.
Ici, il y a un groupe, un travail d'équipe, une co-création, une collaboration. Ici, c'est la mort, l'enterrement. Et par la suite, on a l'intempérie, orage, orage violent. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur en cette guidance des conflits, peur de déplaire, peur des conflits. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec cette carte? On dirait qu'on va quitter un groupe, à vous de voir. Un groupe, il y a un travail d'équipe ici. On dirait que ça va s'arrêter. Il y a le mot vermine qui me traverse l'esprit. Je sais que c'est des fourmis, mais avec la mort, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai vermine qui me traverse l'esprit. Allons-y avec une carte là, sur celle-ci. Pourrir, regardez. Pourrir. Il y a quelque chose qui se termine, là, c'est clair. Pourrir. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va prendre fin. J'ai vraiment cette sensation, là. On dirait qu'une limite est atteinte. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte à une personne, qui va se libérer. Terminé. Ah, j'ai un inconfort en cette guidance, on dirait. En fait, c'est l'émotion de la colère qui me traverse. C'est vraiment l'émotion de la colère. Je pense réellement que quelqu'un a atteint sa limite. Il y a une personne qui va choisir de se respecter ici, en cette guidance. Il y a une mère qui va se libérer, qui va reprendre espoir. Revivre, renaître, se libérer. Je ressens de la colère à l'intérieur de moi. C'est vraiment l'émotion qui me traverse quand je regarde les cartes. Pourrir, vermine, pourriture, mort. Terminé ici, on dirait qu'il y a un groupe. Terminé, quelqu'un pouvait avoir de la difficulté à couper, à fermer une porte. Je vais demander un mot ici, là, en cette zone d'orage, de fin, d'orage, donnez-moi une minute. Rêve, c'est la fin d'un rêve. C'est fini. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va sortir de l'illusion. C'est fini. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'illusion. À deux reprises, là, j'ai la carte de la mort. Rêve, un rêve qui prend fin. Il y a quelqu'un qui coupe, qui met un terme, qui ferme une porte, qui se libère d'une personne qui a eu des comportements rusés, une personne très manipulatrice, qui ment pour arriver à ses fins, une personne très détournée. Là, je regarde ces deux cartes. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer, qui est tourmenté, une personne qui peut avoir peur d'être abandonnée, rejetée. Il y a vraiment une personne là, ici qui est emprisonnée, enfermée, qui a très peur de se libérer.
Ici, c'est autre chose. On dirait qu'il pourrait y avoir une mère, une femme qui nous redonne espoir. Donnez-moi un instant, là, j'ai la carte du féminin qui me traverse l'esprit, de mon oracle, de l'âme intuitive. Donnez-moi un instant, je vais juste regarder le message de la carte étant donné que son image me traverse. Je vais juste prendre le temps de lire le message de la carte 20. Vous accueillez des énergies féminines dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Là, je vais demander une carte pour ici, pour cette personne qui me paraît souffrante. C'est une personne qui souffre ici, là. Une personne qui n'arrive pas à se libérer. Rire. Que voulez-vous me dire avec rire? Je ne vois pas le sens parce qu'ici, quand je regarde les cartes, rire, rire. Ah, ici, on pourrait penser à quelqu'un qui se moque de l'autre. Donc, c'est pour ça que cette personne s'isole. Rire, faire rire de toi. Est-ce que tu es en train de rire de moi, de te moquer de moi? Ici, qu'est-ce que vous voulez me dire? Je pense que je vais demander une carte jaune. Peur de faire rire de soi, peur de... Je demande une carte jaune pour ici. Bon, le triangle. Décision à prendre, un choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne rit plus, là, ici. En cette guidance-là, il y a quelqu'un qui ne rit plus. Ce n'est plus drôle. Donc, il y a quelqu'un qui serait rendu à prendre une décision, le triangle, un choix à faire. Bien oui, tu peux rester enfermé, tu peux demeurer dans tes peurs. On dirait qu'on me parle de rire, il y a quelqu'un on arrive d'une personne. Se moquer d'eux. C'est cette énergie que je rencontre ici. Faire rire de toi. Faire rire de toi. Une personne a peur de faire rire d'elle. Donc ici, je pourrais rencontrer quelqu'un qui plaît à tout le monde parce que on a peur de faire rire de soi. Là, ici, on nous parle d'une décision à prendre. L'entre-deux. On dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui est ridiculisé. Une personne qui doute. Une personne qui doute beaucoup, qui n'arrive pas à se décider. Ici, c'est ça. L'indécision, l'ambivalence, l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui doute, qui n'arrive pas à prendre une décision, à s'engager. Une personne qui n'arrive pas à s'engager envers elle-même. Tout le temps dans le doute, peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. On pèse le pour, le contre, le pour, le contre. Et cette personne, écoutez, souffre, n'arrive pas à se libérer, ne se positionne pas, ne prend pas de décision. Elle doute, elle doute.
peur de faire rire d'elle. Bon, ici, on nous parle d'une personne maintenant, l'épée et la rose, une personne qui aime la justice, qui aime la vérité. D'après moi, il y a quelqu'un ici qui va trancher. D'après moi, il y a quelqu'un qui va faire quoi? Ça me fait penser, le ciseau, l'épée et la carte de l'addiction qui me présente une personne qui se sent enchaînée, bloquée. D'après moi, il y a quelqu'un avec la carte addiction qui est dans une relation soit de codépendance. Il y a une emprise avec la carte de l'addiction. On dépend de qui, de quoi. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre, ça c'est clair et net. Avec mon oiseau à l'envers et la carte addiction, c'est clair et net là. Qu'il y a quelqu'un qui est qui dépend d'une autre personne ou qui dépend, à vous de voir, là, parce qu'avec la carte addiction, oui, on peut avoir des problèmes de consommation ou on est sous l'emprise de soit d'une substance, soit d'une personne. On est attaché, on n'arrive pas à se détacher. Quelqu'un ne se sent pas libre. C'est une personne qui doute ici, qui doute beaucoup d'elle-même en cette zone. Qui n'arrive pas à se décider. Donc l'épée et la rose, c'est une carte qui me parle de clarté, de révélation des faits. Révélation des faits, de la vérité, de ce qui est. Révélation de ce qui est. Donc si il y a ruse, s'il y a manipulation, s'il y a mensonge, bien on va le voir. Ça, c'est du mensonge. Une personne t'a manipulé, t'a menti. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui est dans le doute, dans la confusion, qui hésite, qui ne voit pas clair, qui n'arrive pas à se décider. D'après moi, quelqu'un va prendre une décision bientôt. Il y a un jeu de séduction ici là, qui entre... en cette zone. Il y a quelqu'un qui se fait prendre à un jeu de séduction. Ici, là, oui, on se fait prendre à un jeu de séduction. Et avec la libellule, bien, on est en train de me présenter une personne qui s'amuse. Avec, en fait, la libellule est en train de dévoiler, de mettre en lumière, d'exposer une personne qui s'amuse ici. Des jeux de séduction. Ici, avec le trousseau, on nous présente une personne qui peut faire plusieurs rencontres. C'est la carte des One Night Stand. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui n'arrive pas à se libérer et qui, d'après moi, butine. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre, qui a peur de se libérer, qui n'arrive pas à se décider. Et si, bien, là, avec la carte du trousseau de clés, c'est quelqu'un qui entretient des relations, des triangles. Donc, je ne sais pas si on s'en va dans l'extra-conjugal, à vous de voir. Mais ici, c'est quelqu'un, d'après moi, qui butine. Et avec la libellule, bien, on a accès à ce qui est. Il y a une révélation. Ce qui était caché est exposé à la lumière. Et ça entraîne ici une fin, une séparation. Quelqu'un va fermer une porte en cette guidance. Voit le jeu de l'autre, le jeu de séduction de l'autre. Voit le jeu et va se libérer. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer d'une relation. D'une relation. On est en présence d'une personne qui te cache un jeu, qui te cache son jeu. C'est comme si on maintenait une mère dans l'espoir. Une mère dans l'espoir. On lui raconte je me sens un peu inconfortable. Donc, il y a quelqu'un qui va fermer la porte au serpent, qui va se libérer, qui va avoir la paix. Il y a une mère qui va reprendre espoir, qui va se libérer d'une personne rusée.
qui n'arrive pas à se libérer dans sa vie, qui est coincé et qui entretient, qui est en couple. Il y a une personne qui est en couple ici, avec la carte de... pardon. La carte flamme jumelle, c'est une carte qui me parle d'union, de couple. Il y a une personne qui n'arrive pas à se libérer et qui butine, qui chasse, qui est à la recherche. Et d'après moi, ici, on a accès aujourd'hui à la révélation des faits. Et il y a quelqu'un qui va fermer une porte avec la carte de la séparation à cette personne qui ne la respecte pas finalement. C'est comme si on avait vu le jeu, là, le jeu de l'autre. Un rêve qui prend fin. J'ai vraiment l'impression de rencontrer l'énergie d'une personne qui aime plaire. Qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime plaire. Ici, c'est une personne qui est en couple. Qui est en couple et qui souffre dans son couple et qui veut se libérer. Mais qui n'arrive pas à se libérer. Avec la carte du triangle. Donc, on parle de triangle amoureux, de jeu de séduction. C'est ça ici. C'est vraiment ce qui se brasse. On maintient une féminine dans l'espoir, une mère dans l'espoir. Mais c'est de l'illusion qu'on nous dit. Parce qu'ici, la personne, celle qui souffre, bien d'après moi... En tout cas, il y a une personne qui va être laissée avec la carte de la séparation, parce qu'on a vu le jeu là, de l'autre. Donc, c'est une personne ici qui est probablement en couple, qui voudrait se libérer de sa relation, qui est tout le temps dans l'entre-deux, dans le doute, qui n'arrive pas à se brancher et qui chasse. Qui est à la recherche ici, c'est vraiment cette énergie que je rencontre. Bien, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'illusion. Donc, on pouvait maintenir une mère dans l'espoir. Elle va se libérer. Elle a compris le jeu. Elle va se libérer. Donnez-moi une minute. Elle a compris le jeu. Le jeu de l'autre. C'est quelqu'un qui a plusieurs clés à son trousseau. Le présent. Ici et maintenant, il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir au présent aujourd'hui, qui va se positionner, qui va prendre une décision. Bon, allons-y avec le message de la carte du présent qui nous dit quoi? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Le présent. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va tourner une page, qui va fermer une porte à un certain passé, qui va se libérer avec la carte du pardon, de ce qui est malsain pour elle, il y a ou pour lui. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Assez rêvé comme ça, là, assez, on est demeuré dans l'attente, dans l'espoir, dans l'illusion. Ici, on me présente une personne qui n'arrivait pas à se brancher, qui est en couple, qui te fait rêver, qui t'entretient dans le rêve. Tu restes accroché à cette personne. On dirait que c'est un trip d'ego. Ou bien, écoutez, je ne sais pas comment vous voulez interpréter ça. C'est bon pour l'ego. Il y a de la séduction. Il y a quelqu'un ici qui est maintenu dans l'espoir, dans le rêve, et qui aujourd'hui a atteint sa limite de ce jeu. C'est fini, là. Il y a quelqu'un qui va couper, qui va se libérer, qui
qui voit clair avec l'épée et la rose. C'est quelqu'un qui a un esprit de justice, qui aime la vérité, qui aime savoir ce qu'il en est. Il y a une personne tranchante ici, là, avec l'épée et la rose, et qui va prendre une décision. C'est ce que je vois. C'est fini. Donc, le serpent et ses ruses et ses petites manigances, ses petites techniques, là, bien aujourd'hui, ça va être stoppé. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute. Merci pour les petits pouces en l'air. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.